Aïe, 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 les amis, ça va clairement pas du tout. Aujourd'hui, je me suis tout simplement fait attraper des Indiens et comme vous pouvez l'apercevoir, ils viennent tout simplement de m'enfermer dans une prison de bambou. Une prison de bambou. Qu'est-ce que je fais dans une prison de bambou? Je ne comprends pas. Mais il va tout simplement falloir que je trouve un moyen de m'échapper. En tout cas, les Indiens, à mon avis, sont partis dormir ou sont partis manger un barbecue de brochettes de poisson séché, tout simplement. Et du coup, je vais pouvoir m'enfuir dans les secondes qui suivent, tout simplement. D'ailleurs, ils ont mis une protection de parapluie sauteur, mais moi, je suis un sauteur de l'ultimense challenge. Et du coup, ce genre de choses ne me fait absolument pas peur. Bon, allez, let's go. Ok. Ça va, je suis sorti de la prison de bambou et... Comme vous pouvez l'apercevoir, c'était une prison de bambou aérienne, tout simplement. Bon, les amis, me voilà dans l'eau, tout simplement, je suis... Oh, ils ont laissé ma barque. Ils ont laissé ma barque, je vais tout simplement pouvoir m'enfuir. Il y a mon coffre, mais... Non. Non, 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 non. Les amis, j'ai braqué une banque et il n'y a plus mes pièces dedans. Ça veut dire que ces Indiens ont tout simplement été... enfermer mes pièces dans l'île qui est juste ici présente. Je sais pas comment je vais arriver à m'enfuir de là, mais il va falloir que je trouve un moyen. Oh non, 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 il y a des petites planchettes de mon bateau juste ici qui ont été cassées. C'est pas grave, je vais trouver un moyen de m'en sortir. Il y a aucun problème, ça va... Oh, les grenades gelantes. Attendez, est-ce que cette boule de bonhomme de neige gelante est tout simplement une arme d'indien? Je ne sais pas, moi je pensais qu'ils se battaient du coup avec des lances et des arcs à flèches. En tout cas, dans les films que j'ai vus, c'était ça. Ok, hop. Oh, oh les gars, oh les gars, oh les gars, on est beaucoup trop forts. Attendez, attendez, il faut que la glace sortir. Allez, la glace fond de mes petites pattes. Il fait 45 degrés dehors, il fait chaud. Ok, bon là, il y a un arbre à liane. On va esquiver l'arbre à liane. Ok, saleté d'arbre à liane, je déteste les arbres à liane. Franchement, j'ai l'impression que quand je regarde dans les films un arbre à liane, j'ai l'impression qu'il va attraper les gens avec saleté de liane. Bon, ok, ici, il faut que je me... Oh non, j'aime pas me balader dans la forêt comme ça. Imaginez, il y a un serpent ou tout simplement une chenille urticante de la mort qui tue challenge qui m'attrape. Franchement, ce serait clairement pas agréable. Donc, bon, à mon avis, ici, je dois monter tout simplement au rocher. Mais comment monter au rocher? Attendez, il y a un petit rebord ici, mais il est un petit peu coupant. J'ai un peu peur de... Oh, peut-être que là, je peux sauter. Attendez, hop. Non, je peux pas sauter là. Ou alors, attendez. Si je saute sur le mini palmier, que je saute sur le palmier adulte, et que j'arrive tout simplement sur le rocher piquant, peut-être que je pourrais tout simplement me sauver d'ici. Alors, comment je peux sauter sur le mini palmier? Ok, je suis sur le mini palmier. Ok. Je saute ici. Hop, hop. Propre. Propre. Et les amis, est-ce que je suis pas en train tout simplement de marcher sur le chemin des Incas pop. Oh, oh, j'ai failli mourir. Ok, je passe. Surtout ne pas tomber parce que si je tombe d'ici, regardez comme c'est haut, je tombe de la falaise. Oh, la cascade, les chutes du Niagara. Je pense qu'elles sont aussi présentes. Pas mal, ok. Donc ici, je peux continuer de monter. Alors, qu'est-ce qui se passe par ici? Oh, des noix de coco. Oh, oh, donnez-moi des noix de coco. Je vais pouvoir manger les noix de coco. Dommage que le singe n'est pas là parce qu'il aurait pu monter tout simplement aux arbres afin de manger les noix de coco. Ok, bon, faut que je descende ici. Est-ce que je peux descendre par ici? Absolument pas. Le jeu ne veut pas. What? What the fuck? Attendez. Me dites pas que c'est tout simplement un totem indien. Si, ça a l'air d'être un totem indien. Ça a l'air d'y ressembler, en tout cas, une construction indienne. Comment ils ont construit ça? Dites-moi dans les commentaires si vous pensez savoir comment les Indiens ont tout simplement réussi à construire cette espèce de zizi géant en rond. Je sais pas trop comment ils y sont pris, mais ils l'ont fait. C'est déjà pas mal. Par contre, par ici, je peux aller où? Ok, ici, je peux descendre. Attendez, et je tombe ici, c'est je meurs en fait. Est-ce que je peux aller par là? Par là, ça, on vient d'où on vient, donc peut-être par... Oh, attendez, il y a un petit rebord, attendez. Oh, oh, j'ai peur. Oh, surtout pas tomber de la... Eh les gars, et franchement, jamais de la vie, j'oserais me mettre tout simplement comme ça au bord d'une falaise. Impossible. Déjà que j'ai le vertige, alors me mettre comme ça au bord d'une falaise, clairement impossible. Un buisson... Moi, où est-ce que je suis? Où est-ce que je tombe? Oh, il y a des endroits par ici, je ne sais pas du tout ce que c'est. On est dans la surface rocailleuse. Qu'est-ce qu'il y a à faire ici dans la surface rocailleuse? À part prendre un petit bain. Voilà, je peux prendre un petit bain ici. Et tout simplement attendre. Voilà. Et franchement, ça fait une belle vue quand même. Hein. Si je pouvais avoir une vue comme ça de ma maison, ce serait plutôt pas mal, ce serait plutôt agréable. Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Oh, je peux casser ça? Non, je peux pas casser. Qu'est-ce qui peut se cacher par ici? Oh, oh, les gars, il y a quelque chose ici.
Attends, oh, si j'appuie dessus, trouve la pelle. Man, les gars, il doit avoir une pelle cachée quelque part. Alors, où peut être cachée la pelle? Oh, je peux passer ici. Peut-être qu'il y a une pelle cachée par ici. Non, je peux pas avancer par ici. Où est la petite pelle? J'ai besoin d'une pelle. Parce que si les Aztèques me retrouvent ici, c'est un petit peu le caca. Il faut peut-être que je me défends. Oh, c'est quoi ça? Oh, une pelle. Oh, mais il y en a plein ici. Attends. Ah, là, si j'y réfléchis bien, je pourrais peut-être en déduire que les Indiens ont tout simplement utilisé ces pelles pour entourer, enterrer du coup ce que j'ai réussi à braquer lors de mon braquage de banque. Alors, où est-ce que ça pourrait se trouver? Ah ouais, où était le truc bizarre que j'ai trouvé? Ouais, ici, hop. Ok, donc les amis, nous voilà. Il y a un coffre fort enterré. Il n'a pas l'air d'être enterré depuis longtemps. Attendez, Je goûte la terre. Cette terre a été retournée fraîchement. Ça veut tout simplement dire qu'il y a très certainement 10 000 pièces d'or dedans. 10 000, oh, est-ce que je peux encore en prendre? Ah non, impossible d'en avoir plus. J'ai 10 000 pièces d'or, attendez les amis, j'avais volé que 1000 pièces d'or et là je me retrouve avec 10 000 pièces d'or. Attendez, là je suis tout simplement en train de voler le trésor des Incas. Oh oui, et ça clairement, c'est clairement pas piqué d'un tour. Par contre, comment je pars d'ici? Ok, j'ai retrouvé mon trésor, mais imaginez les Indiens. Oh là, en fait il y a un trou là. Attendez, comment je saute ici? Oh parfait, je saute dans le trou. Imaginez les Indiens, tout simplement, ont fini leur repas et remontent et me rattrapent. Là c'est fini. Je sais pas ce qu'il y avait comme technique indienne à l'époque, mais peut-être qu'ils vont couper la tête ou je sais pas, ou me brûler vif. Non, pas brûler vif. Brûler vif, ça va faire mal. Moi personnellement, je trouve que les pires morts, c'est quand même la noyade et se faire brûler. D'ailleurs, si vous étiez obligé de choisir une mort, qu'est-ce que vous choisirez? Dites-le dans les commentaires. Et il paraît aussi que si tu n'as toujours pas mis ton like et que tu t'es toujours pas abonné à la chaîne YouTube, bah tu te feras attraper par des Indiens ce soir et ils te dégusteront avec tout simplement de la sauce pique. Quante. Là par contre je viens de tomber dans le vide, c'est pas très agréable. Attendez, parce qu'il y a un boons qui est juste là en dessous. Attendez, comment ça peut marcher du coup ça? Attendez, attendez, si je me mets ici, attendez. Faut que j'ajoute intelligente, hein. Ok, je saute là, boum, ok, ici on est là, ok, allez, les saute sur la surface rocheuse, gros lard, ok, on passe ici, et là, on arrive dans des cocotiers, ok, dans des oh, les gars, regardez juste ici, il y a de la lave en fusion, oh là là, il y a peut-être moyen de bronzer ici, hein, l'air de rien, je pourrais peut-être me mettre à bronzer, non, il y a peut-être quelque chose à chercher, peut-être dans les feuillus juste ici, attends, je suis perdu dans les feuilles, je suis perdu dans le feuillu, ok, j'aimerais bien sortir du feuillu, alors qu'est-ce qu'il y a par ici, il y a absolument rien, ici, oh, des bleuvageons. Non, non, me dites pas que c'est des truites séchées indiennes. C'est ce qui raffole les Indiens tout simplement. Ils mangent de la truite séchée poissonneuse. Mais il faut faire attention parce que certes ça vous donne de la vie, mais ça vous fait faire caca pendant des heures et des heures par la suite. Donc il paraît que tu fais caca même jusqu'à 6 km si tu manges trop de poissons, de truite séchée ultime de la mort qui tue challenge. Donc vraiment se méfier de la truite séchée qui de la mort qui tue challenge. Alors du coup j'ai mangé de la mort qui la truite. Et il paraît aussi, ah oui parce que ça je vous ai pas dit, il paraît que si tu manges de la truite, tu peux même survivre au feu. Donc voilà, je vais manger des petites truites et espérer survivre au feu. Je saute dans le feu de... Oh mon dieu, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ok, les amis, ce n'était pas faux. Effectivement, en mangeant des truites séchées, on survit tout simplement au feu, à la lave, à la mort challenge. Bon, du coup, là, il faut vraiment que je retrouve un moyen, tout simplement, de retrouver mon bateau. Hein, parce que je sais pas du tout où est mon bateau. Attendez, parce que là, il y avait le totem Inca. Peut-être que mon bateau était par ici, du coup. Ouais, je pense qu'il était par ici, parce que du coup, on a nos pièces. On a nos pièces, je pense qu'on a plus rien à faire ici, sur cette île. Parce que, ou sinon, on va tout simplement se faire manger, se faire déguster par les méchants Indiens, armés jusqu'aux dents. Par contre, comment je vais pour m'échapper? Ok, ici. Ok. Ok, on peut passer par ici. Les amis, vous savez quoi? Moi, je pars à la nage. Je pars en nageant. Je pars. Ok, on crawl. Faites tous le crawl derrière vos écrans. Hop. Non, bon. On va éviter quand même de faire le crawl. C'est peut-être mieux. Par contre, du coup, allez, hop, je reprends mon radeau. Hop, je prends mes deux rames. Hop. Ah oui. D'abord, peut-être mettre les pièces dans mon coffre afin de survivre le plus longtemps possible. Ok, bon, du coup, les amis, nous voilà sur le bateau. Bon, mais on n'a plus qu'à s'échapper, hein. Allez, hop, s'échapper. Et les amis,
Vous savez quoi? J'ai tout simplement réussi à m'échapper. Et voilà, bah, les Indiens m'ont jamais retrouvé. Ils avaient qu'à pas me laisser mon radeau. Ils avaient qu'à mieux s'occuper de moi. En même temps, ils ne devaient clairement pas me laisser m'enfuir, tout simplement. Ceci dit, vous savez quoi? Grâce à mes 10 000 pièces, j'ai pu tout simplement acheter une centaine de Lama Girls, donc des filles Lama. Et maintenant, je me prélasse tranquillement les pieds en éventail sur mon petit truc avec mes Lamas de qualité supérieure. En tout cas les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura tout simplement plu. N'oubliez pas votre like, votre commentaire et me suivre bien sûr sur les réseaux sociaux. Moi je vous kiffe, je vous love et je vous fais d'énormes bisous. À la prochaine, ciao ciao.